Donc bonjour à tous les amis et bienvenue, donc c'est Aaron Black, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Rim, donc on va continuer notre aventure avec cet enfoiré là. Elle m'a bien saoulé dans la vidéo précédente. Donc on est dans le monde 2 avec lui, apparemment. Je pense qu'on est déjà dans le monde 2. Le monde 1 c'était plutôt sympa, Disneyland etc. Là le monde 2 c'est un désert. Et c'est un peu plus sombre parce qu'il y a, en plus de ce truc-là qui veut nous bouffer, on a aussi les espèces de fantômes qui sont apparus. Ils sont sortis de je ne sais où. Mais bon, eux, ils sont pas très dangereux parce que c'est juste quand vous vous approchez d'eux, en fait, qui vous attaquent. Après, l'oiseau, il est très très chiant. Enfin, le ptérodactyle. Je l'appelle comme ça parce que ça ressemble à ça, hein. C'est autant des dinosaures, vous savez, le truc qui vole, bah, c'est à la même forme, donc. Ok, on s'était arrêté là, les amis. Ouais. Il y avait toujours l'oiseau. Ah, d'accord, mais... Allez, bah... Pourtant, j'étais caché, hein. Bon, on avait essayé d'aller à droite, vous vous souvenez, mais il nous avait eu, je crois. Et là, il va nous avoir... À coup sûr. À gauche, c'est mort. Non, tu te tais. J'aime bien le « oh Je n'ai pas ce qu'il faut poser, apparemment. Est-ce qu'il faut poser un truc, sûrement? Dites pas qu'il faut aller là-bas. Est-ce que tu peux sauter là? Ah, merci. Putain, on va se faire bouffer. Oh! Ah, mais il peut nous avoir là! Ça a découvert! Et en plus, il a largement le temps. Comment on lâche? Mais je veux que tu lâches en fait. Ah, voilà, je trouvais. Et faire shift. Apparemment. Bon, on va mourir, hein. Ah, il peut pas nous choper pendant qu'on grimpe, c'est ça? Ah. Oui, c'est exact. Il peut pas nous choper pendant qu'on grimpe, ça c'est stylé. Ça, ça aurait été dégueulasse. Oh, il y a le renard. C'est-à-dire que ça va, je suis sur le bon chemin. C'est un peu mort. Oh. Oh. Ça sent que je vais devoir aller là ou pas? Ah, faut que je vienne avec toi, mais il va me bouffer, hein. Je vais me faire becter, moi. Je sais pas qui t'as affaire. Comment on fait? J'ai un peu la merde, hein. Ah, ok, c'est bon. Ah, c'est une blague. Ah, j'ai cru qu'il allait me faire un truc et... Là, ça va être chaud. Allez, tape une pointe, tape une pointe. Ouf. Oula, je la sens pas. Oh là, mais à chaque fois, ça passe à ça, quoi. À un cheveu. Là, c'est dans le soleil. Hein. Il m'a fait peur cet enfoiré. Ah, il saute en face, voilà. Ah, il nous voit! D'accord, il nous voit, d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de truc au-dessus de notre tête, apparemment. Je vais là. Hein. Ah, qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire ici? Il y a une porte, apparemment. Comme si c'était le moment de faire une énigme avec lui qui me saoule. Comment voulez-vous réfléchir? Reste dans l'ombre, voilà.
on l'avait vu. Je me suis dit, il peut pas vous attaquer sur une... Quand même. Il y a des limites... Comment il doit rager là, n'empêche, parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'il arrive pas à nous choper. Quoi. Bon, tu vas te calmer parce qu'il y avait de l'ombre en fait. Tricheur. Oh, un bateau. Oh, ça sent l'énigme bien chiante, ça. Qu'on va être obligé de faire parce que... En fait, là, il y a de l'ombre. Ici, là. Mais il peut nous choper quand même. Oui. Ok, ouais, on peut aller que à l'intérieur. Non, on va essayer de régler ça. De toute façon, une énigme de plus ou de moins. On en a réussi pas mal déjà. Il y a un truc à faire. D'accord. La porte se ferme, ok. Et la porte s'ouvre, mais il n'y a rien pour grimper. Ah, des trucs casse-couilles. Moi je dis, il faut laisser comme ça. Bien, mais. Pour avoir une chance de sauter. Saras. Ami campe. Eh, t'as pas le droit de camper. Non, t'as pas le droit de camper, c'est de la triche. Quoi, je passe quand même ou... J'ai pas compris là. Ah, tu veux camper? Pas de soucis. Je vais te mettre ça dans la gueule. Non, en fait, on peut pas. Ouais, bah je crois qu'on doit passer quand même. Hein. Ou alors... Il est juste au-dessus de toi, faut arrêter les conneries. Ouais. Du coup, il m'a fait faire des conneries, cet enfoiré. Alors, vous allez rien. On va voir si ça va marcher. En fait, il me suit du regard, hein, donc il sait où je suis. Hein. Bon, en tout cas, je t'ai passé. Intéressant. Intéressant. Où? Ce? Bah, sans se fouler. Eh, tu vas arrêter de camper là, tu vas te calmer. Attendez la sortie, le mec. Tu vas te taire. Maman! Ouh. J'ai cru qu'il allait m'avoir juste avant. Ok. Bateau avec une tête de serpent. C'est cool. Ah bah on est dans le truc là, qu'on avait vu tout à l'heure. On est enfin à l'intérieur. De toute façon je savais qu'on allait s'y rendre, c'était logique. Apparemment il peut pas nous faire chier à l'intérieur. Ah si. Va-t'en. Ah ça a cassé le... C'est en carton apparemment. Putain mais... Sérieux. C'est vraiment fait en carton. Ah bonjour. Bien parce qu'il me regarde avancer. C'est bien. Il m'a défoncé. Les oreilles. Par contre ça c'est n'importe quoi ça. Il
Il est pas content parce qu'il voulait pas me laisser faire ça. C'est où qu'il y en a un autre? Il va venir? Ouais, voilà. On passe juste au-dessus de sa tête, on le respecte pas. Oui, vas-y. Mais... Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Allez hop, ça va tomber ça. Voilà, ça va tomber. Et c'est donc l'obscurité, encore une fois. Par contre, à chaque fois qu'il fait ça, il y a les fantômes qui se ramènent. Ça fait deux, je crois. Du coup, il peut plus nous faire chier. Parce qu'il aime pas l'obscurité. Ah, il est là, lui. Vas-y, je te suis. Désolé, j'ai ramené les espèces de méchants bizarres. Et il me touchait pas. Hein. Oh, bah d'accord. Ah, vous passez devant eux au calme? Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur de moi, apparemment. Ils sont bizarres, ces trucs. Ah, falloir nager, là. Ah merde, il est là. D'accord. Ah, c'est le dernier, c'est ça? A votre avis, est-ce qu'on a le temps de le faire? Oui. Éteins, là, il veut nous tuer cash. J'ai rien pour passer. Apparemment, il y a un truc là-bas, ouais. Pour se cacher. Ouais. Les trucs pour se planquer sont hyper loin quand même. Hein. Il peut pas sprinter ce connard en plus. Ah mais... Il est relou. Faut peut-être passer en dessous l'eau. Peut-être nager. Il peut pas nous choper en dessous l'eau. Non. Oui. Il peut pas nous choper. Oui, donc en fait, c'était clairement pas là-bas qu'il fallait aller, quoi. Il y avait rien. Par contre, là, je vois quelque chose. Des trucs sous l'eau bizarres, hein, quand même. Hein. Ah merde, comment il fait pour remonter? Ah, c'était là! Là, 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 là. Ah putain, il va mourir. Oh, la chance. J'allais mourir. Ah, il faut deux clés. Carrément. J'en ai zéro. Il n'y a pas une clé, vous, là? Ah, ça m'a poussé. Genre, l'air de dire, c'est pas là. Ça m'a poussé en mode, c'est pas par là. Quoi. Ah oui, j'ai pas été là. C'est pas ouvert. C'est une blague. Ah si, c'est bon. Attendez, rebond vite fait. J'espère qu'il y aura un truc intéressant. Il y a une clé. La première. Et d'une. À votre avis, où est la deuxième? En fait, faut bien regarder, c'est tout. Alors, où est-ce qu'elle peut être? Allez, maintenant on y va. Là, c'est un niveau... on n'a jamais fait autant de plongée dans un niveau. Hein. Enfin, dans une vidéo. Là, il y en a partout. Là, je pense qu'on est servi. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, il tourne le pont, c'est ça? Ok. Mais non, mais... Voilà. Non, mais arrête de plonger. Ça devrait suffire. Et voilà la deuxième. Et on se tire. Bon, on va pouvoir rentrer dans la tour. Électrocuter une dernière fois le petit ptérodactyle. En tout cas, il retient longtemps son souffle. Vous avez remarqué? Bref, on a les deux. Et d'une. Merci. Et hop. Une entrée secrète. Wow. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Elle m'a l'air corsée celle-là. Ok, grosse bouboule, ne fais rien. Ça fait des mots bizarres. Ah mais ça reste pas longtemps. D'accord. Eh non, j'ai pas compris. En fait, la grosse boule, ça sert à les allumer tout en même temps. Mais il faudrait qu'ils s'ouvrent déjà tout en même temps. C'est impossible, vu que la caisse peut en ouvrir une par une. Ah, ça fait pas sur les deux, c'est bizarre. Forcément un spot où ils s'ouvrent les deux. Ah voilà, faut aller jouer avec les ombres. Ok, d'accord. Et après la dernière, je fais comment moi? La dernière, c'est un peu chaud là. Bah, c'est moi, il faut que je le fasse, non? Ouais, voilà. Ok. D'accord, j'ai compris. Faut faire plus vite. Faut faire plus vite. 1, 2, 3. Mais elle écrit. Mais tout à l'heure t'as crié. Attends, il se fout de ma gueule, non? Tout à l'heure il a gueulé, là il veut plus. Allez, quoi, c'est bon. C'est fait exprès, non, c'est fait exprès. Ah, d'accord. Putain. C'était chiant, hein. D'accord. Et pourquoi il me fout sous la flotte, en fait? Pourquoi il y a ça? C'est n'importe quoi ça.
ouais, mais y a rien de toute façon. D'accord. Ouais, t'es obligé de faire cette merde en fait. Apparemment, faut une caisse, mais j'en ai pas. Pourquoi tu peux pas remonter, toi? Je la trouve où la caisse? C'est ça le truc. Ouais, y a rien de chaque côté. Hein. Je savais qu'il fallait aller la chercher autre part. En fait, je m'obstinais à rester en bas, moi. Comme ça ou pas? Ah, c'est comme ça. Je crois qu'il faut jouer avec la statue. Ah non, même pas. Ah d'accord. C'est moi qui avais mal aligné quoi. Ok, débarrassé de ce truc. Wow. On a compris le principe, hein. Oh, d'accord. Il me fait chier quand même. Ah. Dépêche-toi. Mais. Ah, d'accord, les actions, super. Il veut pas le faire. Allez, c'est bien. Voilà, c'était la dernière. J'avais dit quoi? J'avais dit qu'on s'arrêterait quand on l'électrocuterait. Maintenant, c'est chose faite. On a galéré pour cela. Là, ça va être limite là. Ouais. Bon, bah, c'est bien, ça m'a remis devant. Cool. Il est là-bas. Donc, bah, les amis, on va s'arrêter là. On va se quitter avec le renard. Qui ne sait pas quoi faire lui-même, apparemment. D'accord, lui, c'est une merde. Je suis là. Il est con quoi. Il croit encore que je suis là-bas, non? Je crois que le renard est un peu con. Bon bah les amis, on continuera notre aventure dans la prochaine vidéo. Donc là on a bien avancé, on a fait les deux tours qui restaient, sur les trois je crois. Donc c'était la dernière, là il va falloir retourner en arrière. Et après je crois qu'on sera débarrassé de l'oiseau et peut-être qu'on accédera au monde numéro 3. Donc n'hésitez pas à me chercher à que vous avez aussi pas déjà fait. Puis moi je vous retrouve vendredi pour la vidéo de ce game. Les gens.